Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Il fait beau, tout. On est avec nos voitures de course, donc... C'est bien, la saison commence. C'est parfait. Les mecs, tout le monde... Xavier, tu dois être ravi que ton pote Jean-Marie revient? Ah bah oui, je suis content parce qu'avec Eric ça va faire une belle bataille. Et puis avec Pierre, et puis il voulait aller aux routes du Nord, Standouille au mois de décembre, il vient belge, il était pas fou, viens chez nous, la plus belle région de France, et puis on va bien voir ce que ça va donner, mais ça va être chouette. Seront vos objectifs ce week-end? Bah moi gagner le groupe R. Ouais. Gagner le groupe R. Gagner le groupe R parce que depuis le temps que j'emmerde Stéphane et Pierre moralement et psychologiquement. Jean-Marie, j'ai une autre question. C'est une question de Thomas Primois. Il m'a dit de te dire que quand tu es venu en 2002, tu as gagné avec la 306. Donc cette année, forcément, tu viens pour la victoire avec la C4. Ouais, forcément. Quand on prend le départ d'une compétition, l'objectif c'est toujours de faire le meilleur résultat possible. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Après, faut savoir faire second. Hein. Pas gagner, ou si on fait une erreur faut l'accepter, et puis après faut en tirer les conclusions pour essayer d'être un peu meilleur. Et quelle sera la suite de votre saison à vous deux? Ah ben moi j'espère aller au Touquet. Si je vends des camions, on va prendre du rallye, sinon on va le rallye, mais j'espère aller au Touquet parce que ça va tout droit, j'aime pas bien quand il y a des virages, et puis ma voiture aime bien, la Mitsubishi aime bien ce genre de terrain. Et puis après moi je pense que je vais me diriger vers le championnat de France 2ème division en partie avec des beaux rallyes, parce que je n'ai plus le courage de leur championnat de France, je vais peut-être plus assez vite. Rentrer par une Destroyer 3, ça me fatigue. J'ai peut-être plus le courage de tout ça, donc je vais me diriger vers des beaux rallyes de 2ème division qui sont aussi beaux que les rallyes de championnat de France. Et puis, voilà, la Montagne Noire, Dieppe, La Rochelle, le rallye de Bretagne, des beaux rallyes, ça va être bien. Et toi, Jean-Marie? Bah, disons que la Deauville, forcément, pour préparer le Touquet, après le COS. Championnat de terre, ça c'est une certitude, l'intégralité, l'objectif c'est le titre, et après le COS on va faire le Charbon qui est à côté, et après on verra ces deux asphaltes, après tout qui est Charbon, on verra un peu où on en est, si on est compétitif ou
crois. Enfin, t'as dit que si t'étais bon, tu continues. C'est clair que si t'es mauvais, t'arrêtes. Si, oui, voilà. En fait. Pour toi Xavier, j'ai une question d'une de tes fans qui fera le rallye Souken en tant que copilote, Chloé Etienne. Et mais... elle aimerait savoir, elle roula Souken sur une 106. Ouais. Et elle aimerait savoir quelle émotion ressens-tu après chaque spécial ou chaque beau rallye. Bah, moi en général je ressens des bonnes émotions quand j'ai fait un bon temps et je ressens des mauvaises émotions quand j'ai fait un mauvais coup. Très très bête. Je sais pas, c'est toujours des émotions partagées. Comme le pilote, c'est une osmose dans la voiture. Le sport automobile, c'est ça. C'est on est deux, c'est un plaisir égoïste. Hein. On est deux, on vit des sensations exceptionnelles quand tout se passe bien. Et puis bah, on est un peu plus grincheux quand. Voilà. Et ben je souhaite un bon rallye. C'est sûrement peut-être son premier rallye à Chloé. On lui souhaite un bon rallye. Quoi. Hein, on ira la voir, l'encourager. Et elle te souhaite en tout cas une belle saison avec Tamitsu. On vous souhaite un bon coup de fleurie et puis bah, une belle saison. Merci. Merci. Ah.